qui ça qui internet là pour qui ça yo t'ai créé internet. Bonjour ou bien bonsoir, tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Ou même qui est nouveau sur la chaîne, je vous demande d'abonner et de peser la cloche de notification pour ne pas rater aucune prochaine vidéo. Et si vous trouvez le contenu ça intéressant, vous pouvez faire un like et puis partager avec nos amis. Dans la vidéo, ça, nous allons parler de ça que vous utilisez chaque jour, qui c'est Internet. Nous allons parler un peu de lui et pour qui ça. Yo te créé. N'a conseillé regarder vidéo ça jusqu'à la fin pour pas rater aucune étape dans ça nous va le dire. OK, ça ne pas perdre temps avant entrer dans première interrogation qui c'est qui ça qui internet là. Internet là c'est un ensemble de réseaux informatiques interconnectés qui permettent tout ordinateur yo communiquer entre yo par un moyen de communication relé IP. IP a qui veut dire Internet Protocol. Yon réseau ka mette en relation yon nombre ordinateur variable tant que des trois ordinateurs ou bien la caillou des milliers ordinateurs dans une université ou bien dans une grande entreprise bien des millions de réseaux sous la terre internet connecté tout réseau sa yo ensemble les fait en sorte que yon comprenne l'autre même si des fois langage yo kon différent. Internet la propose plusieurs services tant que les web les courriers électroniques et les groupes de discussion. Mais pour utiliser ces services, vous supposez connecter l'ordinateur là avec un fournisseur d'accès internet. C'est-à-dire, vous pouvez connecter via un câble de cuivre ou bien avec une fibre. Vous pouvez connecter avec des autres hertziennes. Comme ça, vous pouvez connecter avec un routeur. Je pense que nous avons connu qui ça qui est internet là et nous allons passer dans la deuxième partie pour nous expliquer pour qui ça. Yo t'écris. Mais avant de faire ça, ou même pour vous abonner à la chaîne là, nous t'as surtout fait ça et puis pèse la cloche de notification pour voir aucune nouvelle vidéo. Ça nous va perdre du temps, on a passé dans la deuxième interrogation qui c'est pour qui ça yo t'écris internet. Tout d'abord, nous connaissons toute invention qui fait c'est pour porter un changement ou bien une solution à un problème. Et bien, internet c'est un projet du département de la défense américaine. Dans la guerre qui a gagné entre États-Unis et la Russie dans les années 1947 à 1991, c'était la guerre froide. Depuis l'année 1960, l'Amérique était très réactif contre toute attaque la Russie a essayé de faire. Dans même année ça, autorité militaire américaine a demandé à plusieurs universités pour mettre tête ensemble. Premièrement, pour réfléchir à un système réseau qui est fiable pour être transférer toutes données et informations nation si toutefois la Russie a fait une attaque nucléaire sur les États-Unis. Deuxièmement, autorité militaire ont demandé pour réfléchir sur un moyen de communication entre militaires américains sans aucun centre de réunion. Parce que centre ça qui ont été réunis, la Russie était capable d'exposer à tout ça qui l'a donné. Eh bien, en 1964, APA a financé le projet ça que les militaires américains ont proposé à l'université. C'est ça qui fait. En 1969, nous avons le premier branche réseau qui était capable de transférer des données qui relient APANET, qui était relié à 4 plus grandes universités qui étaient gagnées à l'époque. Là. Dans la fin de 1970, il y a gagné deux personnages qui sont Robert Kahn et Vinton Cerf, qui étaient rejoints d'APA, qui c'est l'agence du département de la défense des États-Unis, pour créer ça qui prend la cause pour la première fois 37 réseaux connectés qui sont TCP/IP. Qui voulait dire Transmission Control Protocol et Internet Protocol. Objectif Internet, pas ni social ni comme message, j'ai gagné journée aujourd'hui. Mais c'était plutôt un projet pour les États-Unis être capable de sécuriser les données et les informations pays. Et c'est ça qui fait dans l'époque ça, c'est seulement le gouvernement des États-Unis qui a eu accès avec Internet. C'est juste dans l'année 1990, grâce à consortium World Wide Web, qui c'est 3W, qui pourrait permettre tout le monde capable d'utiliser Internet. Et c'était dans la même époque ça, tout le plus logiciel a été créé. Eh bien, c'est grâce avec consortium ça qui c'est 3W APANET pour disparaître qui fait nous venir ça qui est internet jeune aujourd'hui. Merci parce que tu regardes vidéo ça jusqu'à la fin et si vous sentez vous gagnez intérêt, n'a pas de capable abonner à la chaîne là. Pèsez petite cloche notification, capable quitter un like. Merci, n'a croiser dans l'autre vidéo.